Bonsoir les amis. Alors, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et d'autres départements. On va tenter la filature d'un invité du siècle. Rassurez-vous, je n'ai pas le corona, c'est juste à titre de prévention, voilà.
se parle plus dans le métro, au moins. Voilà, c'est un sujet de conversation. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais, plus ou moins. Oui. Le pavé de la rue lui était moins froid. Comment ? Le pavé de la rue lui était moins froid que le cœur de sa mère. Le pavé de la rue était moins froid que le cœur de sa mère, c'est ça ? Gavroche. Ah, c'est sympa ça. Ah, c'est bien de se parler un petit peu dans le métro quand même. Gavroche, c'est celui qui dit que c'est la faute à Rousseau ou à Voltaire. Rousseauiste que Voltaire. T'as l'opinion ? Pardon, excusez-moi. Plutôt rousseauiste, Voltaire. Parce que Gavroche. Plutôt Voltaire. Dans Les Misérables, c'est lui que c'est. Il chante, vous savez, c'est la faute. Oui, c'est la faute. Si je tombe dans la lettre, c'est la faute à Rousseau. Plutôt Voltaire, c'est plutôt Voltaire. Je trouve que la phrase est plus jolie. Plus courte, plus. J'aime bien les phrases courtes. C'est pour ça que je suis pas très prussien. Je veux pas mêler de ce qui ne me regarde pas, mais Voltaire était c'était la noblesse de robe et pas la noblesse d'épée. Pas du tout, ni l'un ni l'autre. C'était un bourgeois. C'était un bourgeois, mais sans noblesse. Sans noblesse. Sans noblesse. Moi, je suis plutôt Rousseau. Pourquoi Voltaire ? Vous aussi, plutôt Rousseau. Parce que je trouve qu'il est plus léger à lire que Rousseau. Bah, pourtant, la morale de Candide, lui, c'est juste dur quand même. On est où là ? Discussion. Ah oui, Charles de Gaulle, bah, c'est là, moi. Ben voilà. Donc vous êtes plutôt oui. Voltairien. Permettez-moi de vous poser une petite question, comme ça on ne se connaît pas. Moi personnellement je suis gilet jaune. Oui. Et vous savez qu'au niveau des gilets jaunes, ça fait 15 mois qu'on se bat pour le bien commun. Voilà, on s'est levé pour la dignité des travailleurs, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants. Et on est plutôt, c'est plutôt la figure de Rousseau qui nous intéresse. Là, c'est bizarre parce que là, il y a un monsieur qui vous parle de Voltaire. Vous en pensez quoi, vous, des gilets jaunes ? Je pense que... Vous avez vraiment le temps de ma pensée. Bah, la vie s'est fait de rencontres. Le gouvernement a fait une connerie gigantesque sur la taxe carbone. Sur la taxation du diesel, notamment. Ça a énervé les gens. Ah bah oui. C'était, il y avait des ferments, hein, sûrement. Sûrement. Faut que je retrouve mon. Ça a été très mal géré. Ça, c'est il y a 30 ans de conneries. Hein. 30 ans de conneries. Est-ce que vous pensez que comme vous êtes bien habillé, voilà, vous semblez d'être dans les affaires, est-ce que vous pensez que les gilets jaunes, c'est le retour du politique ? Au sens noble du terme, alors un petit peu grailleux peut-être, un petit peu... Le problème du gilet jaune, c'est qu'il n'y a pas de leader. Il y avait un leader, on aurait pu faire quelque chose, mais là il n'y a pas de leader. Mais s'il y avait eu un leader, il aurait peut-être c'est pu... autre chose. Il y aurait eu corruption, il y aurait eu pression... Non, mais regardez, vous n'étiez pas né à l'époque de Poujade, et au moment 56-57, sortaient les sortants. Les gilets jaunes, c'est ça. Sortez des sortants. Bah maintenant, en tout cas sur notre rond-point, c'est plutôt mort à la dette, à bas l'usure, commun. La dette illégitime, vous savez, la dette publique. Parce que, regardez, nous dans le 91, on est en désert médical. Oui, mais. Si vous avez un pépin de santé, c'est 8 heures aux urgences. J'habite la banlieue ouest, c'est pareil. Hein. Et vous êtes aussi en désert médical ? Pas encore, mais ça va pas tarder. Ah bah ça viendra, parce qu'il y a. Ça va pas tarder. Il faut forcément réduire les coûts pour payer les intérêts. Ça se rétablira dans les 10 ans. Mais comment ça, ça va se. Parce qu'il faut former les médecins. On avait un numerus clausus qui bloquait la sortie des médecins.
L'inostosie s'est supprimée il y a 2 ans. Le temps de former les médecins, il faut à peu près 10 ans. D'accord. Dans 10 ans, à mon avis, ça se résorbera. Oui, mais le problème du médical, par exemple, on prend les anciens en EHPAD, où on est obligé de prendre des crédits pour pouvoir s'occuper de nos anciens. Je vais vous dire une chose, j'étais fonctionnaire, un gros fonctionnaire. Si ma femme et moi-même avons des problèmes dus, par exemple, à une dégénérescence cérébrale, Alzheimer ou un Parkinson. On peut pas se payer. Deux, c'est impossible. Même vous qui avez travaillé toute votre vie et. J'ai pas les moyens. J'ai qu'une retraite de haut fonctionnaire. Est-ce que vous pensez que cette histoire de gilets jaunes, finalement, c'est plutôt bon signe? Ça prouve que le peuple existe et que ça revient. Moi, ce que je critique, c'est les casseurs. C'est beaucoup ça. Bah, les casseurs. Les cheveux blancs. Bah, oui, bien sûr, mais ça, c'est. Il y en a toujours eu. Et puis, de toute façon, c'est avant tout la casse sociale. C'est des gens qui n'arrivent pas à sublimer. Casser le couquette, casser l'arc de triomphe, c'est pas bien. Parce que c'est, dans un cas, c'est un instrument de travail. Ça met des gens au chômage. Et l'arc de triomphe, c'est un symbole national. Mais il y avait quand même des gilets jaunes. Vous vous souvenez des... Moi, j'étais sur place, c'est le 1er décembre. Il y avait quand même des gilets jaunes qui ont défendu la flamme du soldat inconnu. Bon, j'ai vécu mes 68. Donc faut pas faire d'amalgame. Non, mais j'ai vécu ma lune de 68 avec des étudiants qui faisaient cuire des œufs sur la flamme du soldat inconnu. Ça me choquait. Ah bah non, ça c'est pas les gilets jaunes. Non, mais c'était 68. Bah les libéraux libertaires, ça donnait du Cohn-Bendit. Donc voilà. Vous savez où ça finit, Cohn-Bendit. Hein. C'est plutôt sordide. Donc vous êtes plutôt, vous, optimiste par rapport aux gilets jaunes? Ce retour finalement de... Je pense que ça prouve au moins une chose, c'est que ce pays vit. C'est tout. Voilà, voilà. Il faut le canaliser. Il faut le canaliser. Est-ce que c'est au peuple peut-être d'écrire sa constitution? Non, est-ce que les règles du pouvoir, ça c'est Étienne Chouard, est-ce que les règles du pouvoir doivent être écrites par ceux qui sont les représentants politiques, qui devraient la craindre finalement? Le peuple change beaucoup. Là? Le peuple change beaucoup. Bah, ça, c'est un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit... Alors là, c'est l'opinion publique, en fait. Et ça, c'est la création de l'opinion publique, c'est les médias de masse. Vous savez, c'est BFM, c'est tout ça qui... ça hypnotise. C'est la manipulation, c'est Goebbels. Les nazis étaient très forts là-dedans, dans la manipulation des masses. Les nazis et les communistes. Moscovites, je ne parle pas des autres. Mais complètement. Mais regardez, les médias de masse appartiennent à 10 oligarques. Oui, tout à fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas pour l'indépendance du quatrième pouvoir. Si vous essayez de créer quelque chose, ça a toujours été essayé. Il y a toujours quelque chose à essayer. On a essayé de créer un jour. On a tous créé un journal. Moi, j'ai fait des journaux quand j'étais au lycée. On a des industriels qui ont fait des journaux. Ça meurt au bout de 5-6 mois. Parce que le problème, c'est que c'est pas rentable. Mais c'est pas rentable. Enfin, les chaînes de télévision ne sont pas rentables. Pourquoi? Niel, par exemple. Si, elles sont rentables. Certaines sont rentables à cause de la pub. Le monde n'est pas rentable. Libération n'est pas rentable. Libération n'est pas rentable. L'humanité n'est pas rentable. Est-ce que la solution, ça serait pas des coopératives de salariés associés pour maintenir le... Il y a des coopératives. Le Courrier Picard, c'est une coopérative. Oui. Bah, ça a été racheté. C'est tombé. Et il faudrait peut-être que ça soit dans la Constitution, ça. C'est-à-dire pour assurer l'indépendance du quatrième pouvoir, qu'on soit... Vous avez automatiquement tombé sous l'emprise du syndicat du livre et qui ne fait pas ce qu'il veut et on ne fait pas ce qu'on veut. Alors là, les syndicats, c'est autre chose parce que ça reste des structures pyramidales, autoritaires et opaques. Donc pour vous, les gilets jaunes, c'est plutôt positif? Je vous dis, ça a été positif tant qu'il n'y a pas de casse. Ça prouve que le peuple s'est révolté. Mais vous en avez un en face de vous, je ne suis pas un casseur. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé. Mais le problème. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille, avant tout. C'était bon enfant. Il peut y avoir des éléments infiltrés qui viennent de la police, on les a vus, qui mettaient les brassards. Sur les ronds-points, on dit quoi, tout ça, les policiers, ils regardaient les casseurs. Mais sur les ronds-points, qu'est-ce que c'était? C'était des gars qui sortaient de chez eux parce que Bobot les emmerdait et qui retrouvaient ce qu'on ne trouvait plus dans les bistrots. La fraternité, les bistrots ont été fermés. Mais c'est pour ça que le gouvernement a raison de rouvrir les bistrots. Ils ont raison. Et les bistrots vont être gilets jaunes. Bon. Non, mais c'est ça. Mais le mec, moi je suis à la retraite. Hein. Je sors de chez moi tous les jours parce que j'adore ma femme, etc. Mais pendant, on me fait chier. C'est tout. Les gars, c'est ce qu'ils ont. Non, mais l'affaire. Quand vous discutez avec eux,
tous les gars, moi j'avais tout un tas de copains qui ont été, moi j'étais discuté avec des frères. On est tranquille, on se retrouve entre nous. C'était l'hiver. L'été, ils ont emmené les boules. C'est tout. C'était le... Mais depuis on la... a retrouvé la convivialité. On se souvient le CNR. Le CNR, pourquoi De Gaulle avec le CNR a réussi à mettre autant de choses sociales sur pied? Parce qu'on a discuté, on a repris. Parce qu'il y avait il y avait les FTP, il y avait les communistes qui étaient armés. Parce qu'on a remis, il y avait un contre-pouvoir. Voilà, on a remis. Bah, il y avait quand même un contre-pouvoir armé en France, oui, c'était les FTP. Les discussions du CNR, c'est Alger. Toutes les grandes lois sociales ont été écrites à Alger, qui étaient ensuite transformées. Et Alger, les communistes, ils étaient membres du gouvernement. On a refait une union nationale. Et donc là, vous pensez que peut-être les Gilets jaunes, c'est ce ferment Le président de la République a ouvert en disant « mettez-vous tous d'accord et je vous reçois ». Il n'a pas tort. Le problème, c'est que quand vous discutez avec quelqu'un, immédiatement, les autres tirent dessus. Mais c'est tellement français. Oui, mais et on peut se demander quelle légitimité aussi la 5e, la constitution de la 5e, par exemple avec l'article 27, où tout mandat impératif est considéré comme nul. Oui, mais là, il n'y a pas de mandat impératif. Il n'y a pas de mandat impératif. Ouais. Les gars, quand ils sont élus, ils sont à la gamelle, ils se goinfrent, ils font... Pas tous, il y en a qui bossent, il y en a qui bossent. Plus on monte... Vous savez, c'est la phrase avec le cocotier et le singe, plus il monte, plus on voit ses fesses. C'est les vieilles... Non, j'ai bien connu le Parlement. Hein. On va dire qu'il y en a qui bossent. Franchement, un député, quand on voit les vrais ceux qui travaillent, ils ont juste de quoi vivre. Je le dis sans rire. À chaque fois, on parle pas de salaire médian, là. Non. Je peux vous dire que le gars, quand il a payé ses assistants, fait une grande circonscription, plus qu'il fait à droite à gauche, il a juste... Moi, j'ai connu les parlementaires qui étaient ric-rac. Qui étaient ric-rac? Ah oui. Et alors, les gars qui sont minimum vieillesse, ils sont plus que ric-rac, là, ils sont morts, en fait. Je suis d'accord, mais... Il y en a 10 millions, on a 10 millions de pauvres, oui, tous ceux qui sont RSA, tous les travailleurs précaires. Bon, je veux dire, ouais. Bon, bah écoutez, citoyens, voilà, un gilet jaune à un haut fonctionnaire. Voilà. Allez, bon courage. À très bientôt, dîner du siècle. Au revoir. À bientôt. Bon, bah les amis, caméra cachée intégrale. On a parlé, il savait pas qu'il était filmé, sa tête était pas visible, on a protégé son anonymat, on a essayé de filmer un petit peu les papiers. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le gars, il est intoxiqué par les médias. Tu peux donner des exemples? Ah bah tu peux balancer des exemples. Toi t'as. Lui il nous sort la violence, en fait la violence qu'il voyait par BFM. Donc là-dessus, lui-même en tant qu'ancien haut fonctionnaire et qui a du bon réseau parce qu'il nous parlait de parlement, etc. Il nous parlait là de médias, enfin de ressenti vraiment BFM. Et derrière, il était plutôt positif sur les Gilets jaunes. Bah oui, c'est le peuple, il vit. Bah ouais, on est en lutte parce que si on lutte pas, on va mourir. Donc les gars. Qu'on reprenne. T'as bien repéré sa tête, le mois prochain il va me revoir, il va faire ses points à hasard. on le reprend. Il y a quelque chose à dire sur ça. Bah on va le. Voilà, on a le process maintenant. Voilà, merci à la citoyenne, merci aux citoyens d'avoir fait l'équipage autour et la croche et la bulle, etc. Voilà les amis, c'est super simple. Alors là. Le gars était ouvert à la discussion et c'est tant mieux parce que le bien commun, bah même lui est inclus dans le bien commun parce que le gars il disait il avait peur, c'est d'avoir Alzheimer ou Parkinson et de ne pas pouvoir être traité en fait. Donc même lui, il voit que c'est quand même au bout d'un système. J'aurais bien aimé plus développer au niveau de la dette. Bon, on n'a pas eu le temps. À la fin, le au revoir au prochain dîner du siècle, il a dû dire putain, voilà, je suis grillé, c'est les mecs qui m'ont filoché. Voilà, en tout cas, bah voilà, ça se fait. Bon, il fait froid, on a envie de pisser, on a faim, il est tard, on doit être à la maison. Voilà. Mais bah voilà, pour le bien commun, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Ouais. Donc voilà, on est partout. C'est un peu comme dans Fight Club. Déconnez pas avec nous. On est partout, les gars. On vide vos poubelles. On vous tient la porte. On nettoie vos apparts, on garde vos enfants, on assure la sécurité de vos immeubles, voilà. Donc, bah ouais, c'est Fight Club, quoi.
On est pacifique et bienveillant. Ouais, c'est les autres, là, nous sommes légion, nous sommes partout, nous sommes machin, les masques de Guy Fawkes. D'Anonymous. Anonymous. Bah, tout le monde est Anonymous, hein. Voilà, on voit pas les têtes. Voilà les amis, donc bah, on monte des équipes parce que là c'est de l'équipe qui est montée, hein, voilà, de la mère de famille. Au milieu d'un couloir. Au milieu d'un couloir, voilà, à l'ancienne. On va aller voir les collègues, on va les débriefer avec vous. Avec eux, il y a d'autres équipes qu'on fait peut-être fait du boulot aussi. Bah, on va voir voilà, s'ils ont été meilleurs que nous à la pêche. Force honneur les gars, et n'oubliez pas à monter des équipes.